Voilà, la technologie, toute la technologie, rien que la technologie, c'est l'essence, le motto, l'essence même de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard et également des deux autres universités de technologie consoeurs que sont Troyes et Compiègne. Pour présenter à présent plus globalement l'établissement et participer à une journée porte ouverte, c'est avec la perspective, et je vous remercie pour l'intérêt dont vous faites montre pour l'établissement, mais peut-être pour vous avec la perspective d'intégrer l'établissement et de devenir ingénieur de l'UTBM. Et pour ce faire, vous posez bien entendu un certain nombre de questions. Quel type d'ingénieur est formé au sein de l'établissement? Comment intègre-t-on l'UTBM? Qu'est-ce que l'UTBM, au-delà des quelques images qui ont été projetées, de quels moyens dispose l'UTBM, etc., etc. Je vais m'attacher à commencer à esquisser, à dessiner les contours de l'établissement et à apporter des premiers éléments de réponse à ces questions. Tout d'abord, les ingénieurs diplômés de l'UTBM et les dernières enquêtes d'insertion le confirment à nouveau. Une fois diplômés, trouvent un emploi en 3 à 4 semaines en moyenne et je voudrais donc une très forte employabilité. Et je voudrais préciser que plus de 50% d'une promotion d'ingénieurs diplômés, eh bien, a signé, ces personnes ont signé un contrat avant la fin même de leur cursus, dans les 6 mois précédant la fin de leur cursus. Donc, notez d'ores et déjà une très très bonne employabilité des ingénieurs de l'UTBM, c'est vrai pour l'ensemble des ingénieurs formés en France. Les ingénieurs également diplômés de l'UTBM, à la première embauche, ont une rémunération moyenne, et c'est là une moyenne d'un petit peu plus de 37 000 euros annuellement. On peut noter après des variations, bien entendu, et de se rappeler qu'il y a de l'ordre de 20% d'augmentation sur cette rémunération à l'issue de 3 années d'exercice professionnel, hors autres avantages éventuels. Et de préciser également qu'en étant diplômé de l'UTBM, eh bien, 20% d'une promotion, une personne sur 5, trouve un premier poste à l'étranger. Je reviendrai sur la dimension internationale pour laquelle nous avons une attention toute particulière. Donc, une personne sur 5 trouvant un premier poste à l'international est vraiment sur les 5 continents. Et l'international est une dimension très prégnante dans le métier d'ingénieur, puisque plus de 40% des diplômés nous déclarent également avoir des missions directement liées avec l'international. Le métier d'ingénieur se conjugue à l'international, je le dis souvent de la sorte, notre monde est très petit, ne fait que 13 000 km de diamètre, et complexe, diversifié, le métier d'ingénieur s'inscrit vraiment dans cette dimension. Alors, pour pouvoir intégrer, être diplômé de l'UTBM, bien entendu, il faut pouvoir intégrer l'établissement. Et je ne vous le cacherai pas, l'établissement procède à une sélection. Les formations à l'UTBM sont sélectives et il ne faut avoir aucunement peur de ce terme. Et nous retenons, en fonction du type de spécialité d'ingénieur, du niveau d'entrée, nous allons retenir une candidature sur 10 à 15 candidatures. Et pourquoi être sélectif de la sorte? Les études d'ingénieur sont extrêmement exigeantes de par la complétude des compétences à acquérir et du rythme avec lequel il faut pouvoir acquérir ces compétences. Et nous ne sommes pas là pour faire de fausses promesses, nous ne sommes pas là pour faire perdre du temps à des personnes qui ne seraient pas en capacité d'acquérir ces compétences au rythme demandé. Et donc, nous procédons à une sélection à l'entrée. Alors, si les formations de l'UTBM sont sélectives, l'UTBM, par contre, n'est pas élitiste. Et je voudrais partager également avec vous le fait que 30% de nos étudiantes et de nos étudiants sont boursiers de l'enseignement supérieur. Alors, les formations sélectives, et nous aurons une petite séquence avec la référente des admissions au sein de l'établissement, mais d'ores et déjà partager avec vous quelques critères retenus. Bien entendu, les résultats scolaires en première et en terminale, pour celles et ceux d'entre vous qui aspireraient à déposer un dossier de candidature
pour intégrer l'établissement à l'issue de leur baccalauréat. Pour celles et ceux d'entre vous qui aspireraient à intégrer l'établissement après 2 ans d'études dans l'enseignement supérieur, eh bien le classement, si vous avez préparé une classe préparatoire aux grandes écoles, un diplôme de DUT, etc., etc., et d'avoir une attention sur la moyenne au baccalauréat. Les éléments de la lettre de motivation également sont regardés avec grande attention et constituent également des critères de sélection. Tout cela, c'est la performance, si je puis dire, au cours des études. Mais ce n'est pas le seul critère. Et vous le savez, nous avons des admissions sur dossier et non pas des admissions sur un concours écrit. Tout cela n'est pas les seuls critères. Et d'autres critères est extrêmement importants est le projet professionnel personnel auquel vous aspirez. En d'autres termes, d'être en capacité de répondre à la question suivante. Quelles sont les raisons pour lesquelles je souhaite devenir ingénieur? En résumé, nous cherchons certes des têtes bien pleines, mais nous allons continuer à les remplir, mais surtout des têtes bien faites et des personnes extrêmement motivées, avec un vrai projet professionnel. Et pourquoi cela? Puisque au long de vos études, vous aurez la possibilité d'adapter votre parcours, d'avoir une latitude dans le choix de vos enseignements en regard de votre projet professionnel. Donc pour pouvoir avoir un déroulé de cursus le plus optimum possible, le plus pertinent possible, eh bien il faut avoir une bonne connaissance ou avoir déjà eu une réflexion quant à votre projet professionnel. Mais nous y reviendrons plus longuement d'ici quelques instants. Quelques mots également, pêle-mêle, sur l'établissement. En taille, il existe 200 écoles d'ingénieurs dans le pays et l'établissement... Toute catégorie d'écoles d'ingénieurs confondues, les écoles post-bac, les écoles à bac plus 2 avec des recrutements bac plus 2, et la 7e école d'ingénieurs la plus importante en France, et la 4e école d'ingénieurs post-baccalauréat la plus importante également. Il en existe une centaine dans le pays, dès lors que nous diplômons chaque année plus de 600 ingénieurs au sein de l'établissement. Je le disais il y a quelques instants de cela, une attention toute particulière sur l'international, et de rappeler une fois encore ici qu'un diplômé sur 5 trouvera un premier emploi à l'international sur les cinq continents, une dimension très importante. Partager un autre chiffre, 20% des étudiantes et des étudiants de l'établissement sont internationaux et nous avons la chance d'accueillir au sein de l'établissement 67 nationalités différentes. Et la diversité est une vraie richesse au quotidien dans l'établissement. L'international également, dans une formation d'ingénieur, eh bien, c'est l'existence de 2 quitus pour être diplômé au-delà du parcours plus académique. Premier quitus, obtenir un niveau minimum en anglais pour être diplômé, et c'est le niveau B2. Qui doit être sanctionné par un examen international, et nous organisons au sein de l'établissement l'examen BULAT sous Lingua Skills aujourd'hui de Cambridge. Et puis c'est d'avoir une exposition également à l'international et de bénéficier de cette expérience, une expérience d'une richesse incroyable avec au minimum 3 mois d'exposition et d'expérience à l'international, mais la semestrialisation de nos cursus conduit au fait que l'ensemble de nos diplômés eh bien, ont au moins une expérience de 6 mois, que cela soit dans une université partenaire pour un semestre d'études ou pour un stage dans une entreprise à l'étranger. Préciser dans ce cadre-là et dans le cadre de ces échanges, eh bien, nous avons plus de 230 universités partenaires dans le monde et vraiment sur les 5 continents, et avec un certain nombre d'entre elles également, des accords permettant des accords de double diplôme et permettant au cours de votre cursus eh bien, de devenir ingénieur diplômé de l'établissement, mais également d'obtenir, et c'est souvent, un master d'une université partenaire. Nous évoquerons ces points-là cet après-midi. Préciser, j'indiquais la langue anglaise, bien entendu, est un quitus pour être diplômé, mais d'avoir la connaissance d'au moins une autre langue, une deuxième langue étrangère, est extrêmement important. C'est le cas pour l'immense majorité de nos élèves ingénieurs, et nous enseignons au sein de l'établissement
8 langues étrangères sont enseignées. Nous évoquerons à nouveau ces éléments-là cet après-midi. Et puis enfin, sur la dimension internationale, partager avec vous le fait que nous opérons avec nos deux universités consoeurs que sont l'UTT à Troyes et l'UTC à Compiègne, une plateforme à Shanghai appelée UTCUS. C'est l'un des instituts franco-chinois d'enseignement supérieur et nous l'opérons en partenariat avec l'Université de Shanghai. Et cette plateforme, eh bien, nous permet de projeter en Chine, des étudiantes et des étudiants pour un semestre d'études assuré par des enseignants des trois universités de technologie, partant également en mission à Shanghai, mais de pouvoir vivre pendant 6 mois. J'allais dire, étudier pendant 6 mois dans un autre contexte et de connaître l'effervescence qu'est la ville de Shanghai, notamment. Nous délivrons, je vous le disais, un certain nombre de diplômes d'ingénieurs. Tous nos diplômes d'ingénieurs sont accrédités, bien entendu, par la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur, que ce soit nos 5 formations donc d'ingénieurs en formation initiale ou nos 4 formations d'ingénieurs par de l'apprentissage. Et l'ensemble de ces 9 formations également ont obtenu un label qualité à l'échelle européenne que nous appelons le label ERACE et qui permet d'avoir des points de référence au travers de ce label qualité commun à d'autres formations à l'échelle européenne. C'est particulièrement important, notamment si vous voulez débuter votre carrière eh bien, dans un pays à l'étranger et en Europe. Le cursus, très rapidement, et d'ici quelques instants, nous allons le développer beaucoup plus en avant, mais de présenter au travers de la carte qui apparaît actuellement à l'écran le cursus. Il est peut-être un petit peu compliqué, mais nous allons le décrypter très, très simplement et très rapidement. La lecture dans le temps est de gauche à droite de l'écran. Et donc, il est possible d'intégrer l'établissement à l'issue d'un baccalauréat pour préparer un diplôme d'ingénieur en 5 ans ou à l'issue de 2 années de formation dans l'enseignement supérieur. Il faut encore une classe préparatoire aux grandes écoles, un diplôme universitaire technologique, par exemple, et d'autres modalités existent. Pour une intégration et un cursus en cinq années, eh bien, il s'agit d'ores et déjà, et de première étape, de construire les fondations de la maison ingénieur. Et quelle que soit la spécialité choisie à l'issue, eh bien, ces fondations sont communes à tout ingénieur. Formation scientifique, de bien entendu, et de poser des bases très, très solides pour pouvoir après progresser et s'inscrire dans une spécialité. Ce cycle préparatoire dans l'établissement, nous l'appelons le tronc commun. Et peut-être à l'inverse, à la différence d'une classe préparatoire aux grandes écoles, l'idée est de vous mettre d'emblée, dès le premier jour au sein de l'établissement, dans la posture du futur ingénieur. Donc le tronc commun, bien sûr, est dévolu à des enseignements scientifiques, mais pas que. À d'autres types d'enseignements, commencer à découvrir le mode projet, par exemple, etc., etc. Et c'est important de le préciser, à mon sens, hein, ce n'est pas une classe préparatoire en tant que telle, mais bien d'être dans la posture du futur ingénieur dès le premier jour au sein de l'établissement. Et de commencer d'avoir une découverte du milieu industriel, notamment, avec un stage, et un stage d'un mois en entreprise durant ces deux années. À l'issue, eh bien, vous intégrez des spécialités de l'établissement. Une fois encore, 5 spécialités sous statut étudiant, 4 spécialités sous statut apprenti. Et peut-être à l'inverse d'autres établissements, d'autres écoles d'ingénieurs post-bac, eh bien, il n'y a pas de critères, si je puis dire, pour choisir telle ou telle spécialité. Nous n'avons pas l'idée de la notion de classement au sein de l'établissement. Et toute étudiante ou étudiant satisfaisant au minima, à l'issue de ces 2 années, eh bien, peut choisir la spécialité de son choix. Et si votre appétence est de devenir ingénieur informaticien, vous deviendrez ingénieur informaticien. Même chose si c'est de la mécanique ou de l'énergie.
Ces spécialités, eh bien, s'étalant sur 3 années, nous avons des cursus qui sont semestrialisés, donc il y aura 6 semestres d'études, et sur ces 6 semestres, eh bien, 2 semestres seront consacrés à des stages en entreprise, que cela soit en France ou à l'étranger. Et puis, sur les 4 semestres d'enseignement plus académique, la possibilité également, je le disais, eh bien d'avoir un semestre, de passer un semestre, voire parfois 2 semestres, j'allais dire, dans une université partenaire à l'étranger, avec universités avec lesquelles nous avons des accords. Nous redévelopperons dans la matinée ces éléments-là sur le cursus. Ce que nous cherchons, au sein de la communauté de l'établissement, au sein des étudiantes et des étudiants, eh bien d'avoir des élèves ingénieurs, acteurs, actrices de leur formation, d'être réellement proactifs durant leurs études et de ne pas subir ces études, de ne pas être, je vais mettre des guillemets, de ne pas consommer des études, mais vraiment d'être acteurs, actrices de la formation. Alors, plusieurs manières d'être acteurs, actrices de sa formation. Le premier est peut-être le plus important, la plus importante des raisons, eh bien d'avoir la possibilité dans les universités de technologie de construire un parcours de formation en fonction de son projet professionnel. Je le disais, il existe une latitude dans le choix des enseignements, de sorte à vraiment sculpter son parcours de formation en regard du projet professionnel. Ça nécessite d'être proactif dans ce cadre-là. Il y a d'autres façons d'être acteur-actrice de sa formation et d'avoir un engagement associatif. Et c'est une richesse de l'établissement d'avoir des associations étudiantes très professionnelles, extrêmement structurées, qui proposent plus de 60 activités, des activités culturelles, artistiques, technologiques, etc., etc., au sein de l'établissement. Et cela permet eh bien, d'acquérir par ce biais-là un certain nombre de compétences supplémentaires et de faire communauté au quotidien. Une autre manière également d'être acteur ou actrice de sa formation, eh bien, d'avoir un engagement durant ses études. Et ces engagements-là sont reconnus par l'établissement et inscrits au supplément et diplôme. Par exemple, et nous aurons l'occasion dans la journée de le redévelopper, mais par exemple d'être élève ingénieur entrepreneur ou élève ingénieur impliqué dans le milieu associatif une fois encore. Tous ces éléments-là, je le disais, je le redis, seront développés tout au long de la journée et puis en soirée la semaine prochaine, mais également reprécisés. Ces éléments sont résumés dans la plaquette ingénieur 2022 qui est disponible directement en ligne. Sur l'établissement également et sur l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, mais par extension sur les 3 universités de technologie françaises, eh bien de préciser, bien sûr, nous sommes une école, des écoles d'ingénieurs, parmi les 200 écoles d'ingénieurs du pays, et donc membre de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, mais nous sommes une UT, une université. Et donc, l'idée est de prendre le meilleur des écoles d'ingénieurs et des universités dans les UT. Nous sommes également membres de la conférence des présidents d'université. Nous sommes l'une des plus importantes écoles d'ingénieurs du pays. Nous sommes également l'une des plus petites universités en France. Et nous avons un troisième qualificatif, puisque nous sommes une grande école et nous sommes membres de la conférence des grandes écoles. Et une fois encore, parmi les 3 membres des 3 universités de technologie françaises avec notre plateforme en Shanghai. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais en partager quelques-uns avec vous pour vous dire que la communauté étudiante représente de l'ordre de 3000 personnes. 3000 personnes accompagnées au quotidien par 400 personnels, 200 enseignants-chercheurs et 200 personnels techniques et administratifs. C'est cela la communauté de l'UTBM. Nous disposons d'un certain nombre de moyens, notamment des moyens financiers annuellement. Notre budget annuel global est de l'ordre de 42 millions d'euros par an pour pouvoir eh bien, subvenir à l'ensemble des besoins de l'établissement et accomplir l'ensemble de nos missions. Et de préciser également qu'aujourd'hui, la communauté des alumni de l'UTBM eh bien, compte plus de 18 000
personnes qui, au long des années, ont été diplômées. Et cette communauté est également extrêmement, extrêmement importante. C'est un réseau qui permet d'avoir des interactions en étant élève ingénieur avec des anciens de l'école. Nous sommes localisés, fallait-il le préciser, mais dans l'est de la France, à un jet de pierre de la frontière suisse. Et l'établissement est installé sur trois campus distants les uns des autres d'une dizaine de kilomètres. Campus de Belfort, le campus de Sevenant et le campus de Montbéliard. Je voudrais partager avec vous quelques mots sur la technologie, je le disais, toute la technologie, rien que la technologie à l'UTBM, et de repréciser ce que nous entendons par technologie. Et parfois, il y a quelques incompréhensions sur ce terme-là. Et de faire mienne la définition qui était proposée par Guy Denielou. Guy Denielou est le penseur des universités de technologie à la française, en France, et il fut le premier directeur de la première UT créée, l'Université de technologie de Compiègne. Technologie, en fait, c'est le nom de la science quand elle prend pour objet les produits et les procédés de l'industrie humaine. Et donc, en tant que science à part entière, la technologie adopte les mêmes exigences théoriques, rationnelles, mais pour aborder non pas ce qui existe et décrire notre monde, mais pour aborder ce que nous construisons. C'est cela, l'industrie humaine. Et donc, la technologie se concentre sur le monde que l'homme construit. Ce qui signifie que l'ingénieur UTBM est un ou une technologue. Et d'être technologue, c'est très différent que d'être super technicien, qui ne s'adresserait qu'à la technique, qui serait complètement désincarné, qui ne se préoccuperait pas de l'usage. Être technologue, eh bien, c'est pouvoir appréhender l'effet technique. Et l'effet technique, les objets, les organisations, les procédés sont des systèmes complexes. Et de pouvoir appréhender ces faits techniques, eh bien, par plusieurs biais, bien entendu le biais scientifique, bien entendu le biais technique, mais pas que, également au travers du biais sociétal, du biais environnemental, etc. L'ingénieur UTBM est également un ingénieur humaniste. Foucault le dit ainsi, en sachant articuler le dur, la partie technique, la partie matérielle, avec le doux. Le doux, c'est l'homme, c'est l'humain. Et donc, être ingénieur humaniste, eh bien, nécessite au cours des études d'acquérir un certain nombre de compétences et d'avoir un certain nombre de réflexions. Bien sûr, de bien se connaître, développer une connaissance sur soi et sur les autres, développer également une conscience élargie de la société, de ses besoins, des défis auxquels nous faisons face, et également de la responsabilité de l'ingénieur au regard de la société, etc., etc. C'est pourquoi, dans les universités de technologie, eh bien, il y a une part très prégnante, très importante sur les enseignements en sciences humaines et sociales qui font partie de la complétude de la formation d'ingénieur. Des sciences humaines et sociales qui ne sont pas vues comme un supplément d'âme que l'on chercherait à donner à un ingénieur, comme une couche de sucre que l'on chercherait à mettre autour de la maison ingénieur, mais une fois encore, réellement comme faisant partie de la complétude de cette formation et avec plusieurs volets, et d'avoir une ouverture au monde. Et l'ouverture au monde passe par la connaissance de langues étrangères, de sorte à être en capacité de communiquer, mais d'avoir des enseignements également dans d'autres domaines des sciences humaines et sociales, et pêle-mêle, que ce soit des sciences de gestion, que ce soit l'épistémologie, que cela soit la philosophie, etc., etc. Nous aurons une séquence dédiée cet après-midi à ces enseignements. L'UTBM, en résumé, est donc un établissement intégré. Un établissement intégré, de dire d'appréhender l'industrie humaine, non pas de manière disciplinaire ou de manière facultaire, mais de manière globale, vous l'avez compris, et dans un continuum formation, recherche et innovation. D'avoir donc, quelles que soient nos activités, une approche pluridisciplinaire, une fois encore, d'avoir une ouverture à la société et à ses défis, et d'avoir une très forte capillarité avec le milieu socio-économique et en tout particulier avec les entreprises. Alors, à titre de conclusion, et si l'établissement, je le disais, est un établissement sélectif comme toutes les formations d'ingénieurs, vous n'en êtes pas surprise ni surpris, eh bien de vous dire osez devenir ce type d'ingénieur scientifique et humaniste, technologue et humaniste dans une université de technologie, en général à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard.
Au long de la journée, nous aurons l'occasion de pouvoir redévelopper l'ensemble de ces points. Je vous propose d'aborder la troisième séquence. Nous avions et nous avons diplômé plus de 600 ingénieurs au mois de novembre dernier, et à cette occasion, la promotion était à nouveau intégralement réunie et nous avons questionné quelques diplômés sur leurs années passées. Et je vous propose à présent de visionner ce petit film, il ne dure pas tout à fait 3 minutes, témoignage de diplômés, et je vous dis à tout de suite donc. This day is important because I've worked pretty hard for it. I thought I was gonna fail, and in the end I made it, so good. It's graduation day, so obviously it's very important. It's the results of 5 years of hard work and dedication. It's been a very difficult couple of years for me. I had to learn French completely when I joined UTBM and also when I did the class préparatoire before coming here. So it was a very challenging couple of years for me, and I'm so happy to finally be here today and finally achieve my degree. It was really special for me to prepare something and to share some happiness. The challenge of tomorrow are becoming more and more important, so I wanted to take my part into it. So I decided to be an engineer, and today it's official, I am one. It's a whole chapter closing and another one opening. There is a lot of emotion inside me, just like a bomb that was trying to blow out. So that's how I feel today. Yeah, I'm starting my professional life. I've already got a job. Yeah, let's see what's next. So I work in the aerospace industry. I work for ESA, so European Space Agency. Currently, I'm looking for a job. I work at EDF, a methods engineer. In a company called Capgemini. I'm an electricity engineer. I'm an industrial program leader. I'm an engineer within a design office in Paris. My next goal would be to build in the next 5 years to be able to work for NASA. Maybe that's definitely my next goal in my bucket list. Yeah. I would like to do a job in which I'm able to travel a lot, and it's also one of the reasons why I wanted to study at UTBM. My dream is to become a manager, and after that to come to Lebanon and make my own company. UTBM in 3 words would be friends, technology, hard work, innovation, helpful, the connection with the world. One of them is definitely fun. Merci UTBM et que vivent les ingénieurs de demain. I'm a graduate. Thank you UTBM, and we are the engineers of tomorrow. Jerejef UTBM, Ninoy ingénieur Olegi. Merci UTBM, nous sommes les ingénieurs de demain et vive l'UTBM. Direi diplôme tio en antenne UTBM. Mi dewa ingénieur soto. So donc en antenne UTBM. Tenmez l'UTBM akra les ingénieurs FSK. Inchallah terbaha atasata UTBM.